tout le monde. Alors, si je vais lire ça parce que c'est très intéressant aussi. Justement, il y a une petite anecdote. Enfin, il y a même un lien un peu peut-être fort probable avec un autre livre concernant le triangle des Bermudes. Et là, c'est vachement intéressant. Il y a aussi les crânes de cristal. L'expérience de Philadelphie, comme avait expliqué Jimmy Gueux, là, où il est passé dans l'espace-temps, Vortex, et puis il est revenu en 1943 et 1983, un peu comme dans le film Retour au futur. Bon. Le trésor de l'abbé Saunière. Bon, il y a beaucoup de choses intéressantes, mais ça, c'est sûr que je vais le lire. Les Dames Blanches, c'est autre chose. Les Triangles des Bermudes, oui. Et les mystères des crânes de cristal. Hein. Il y aura encore peut-être 2-3 vidéos, puis c'est tout. Après, voilà, je vais peut-être pas tout lire non plus. D'expérience de Philadelphie, peut-être que je le ferai aussi. Ouais. Donc là, je vais faire le Triangle des Bermudes. Il y en aura une autre sur le mystère des crânes de cristal. Et peut-être pour finir, l'expérience de Philadelphie, ça sera déjà pas mal. Parce que bon, l'affaire Roswell, au Bulgarache, entre mythe et réalité à la limite. Mais bon, la zone 51, bon, je pourrais, mais bon, je vais voir. Après, c'est tout ce qui est paranormal. Donc, bon. Je peux pas vous refaire voir. Hein. Mais moi, de toute façon, je pense que je vais faire. Alors, c'est ce magazine, hein, évidemment. Vous le trouvez sur divertistore.com. Diverti tout collé store.com. Voilà, vous allez le trouver, logiquement c'est dessus. Hors série spéciale numéro 2. J'ai pas le 1. Bon. Février, mars, avril 2023. Donc après, je sais pas ce qu'ils vont faire. Hors série spéciale numéro 3, certainement. Et là, je vais vous lire. Voilà, page 92 de Triangle des Bermudes. La prochaine fois, ça sera le mystère des crânes de cristal. Et ensuite, je pense que je vais finir avec l'expérience de Philadelphie. C'est une histoire de complètement dingue. Même Jimmy Gueux, il en parlait à l'époque. Le grand Jimmy Gueux. Ouais. Disparu il y a plus de 20 ans déjà, mais en l'an 2000 je pense. Si c'est encore l'heure actuelle, j'aimerais savoir ce qu'ils pensent, c'est tout ce qu'on dit maintenant, et puis qu'on est proche quand même de la rencontre galactique, je veux dire, hein, ce qui se passe en France bientôt à Tours, le 21 et 22 juillet. Je pense qu'il y aurait du très très lourd à dire. Hein. Alors, justement, le triangle des Bermudes, c'est page 92. C'est pas très long, mais c'est très intéressant. Je sais pas, peut-être... Bon, les crop circles, bon, ça je l'avais fait. Et après, je balancerai certainement une autre vidéo, Thierry Jamin. Les momies non humaines de Nazca, c'est juste la présentation. Voilà. De nombreux navires et avions ont disparu sans laisser des traces dans la région de l'océan Atlantique désignée comme le triangle des Bermudes, dans cette zone géographique particulière qui a plus ou moins la forme d'un triangle reliant les Bermudes, Porto Rico et la côte de Floride. Et de curieuses anomalies sont très régulièrement signalées par Alain Moreau. Et Alain Moreau, j'ai 6 tomes de Alain Moreau qui sont magnifiques. J'aurais peut-être dû remettre le lien, mais c'est pas grave. Le triangle des Bermudes, Alain Moreau, de toute façon, vous le trouvez sur Amazon. Mais je sais pas comment ça tout remettre. C'est marqué en dessous. Voilà. Alain Moreau. Je pense qu'il va faire un 7e tome, 8e tome. Ils sont magnifiques tous ces livres. Hein. Mais peut-être que j'en regarderai sur ce livre Alain Moreau. D'ailleurs, je sais même plus le titre. Bon, c'est pas grave. Mais c'est des très très bons livres. Mais il y a tellement de titres, il y a tellement de livres aussi que... Il y a tellement de magazines aussi. Allez. Je vous montrerai un lien avec un autre livre. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de choses bizarres au Triangle des Bermudes. Ce qui serait pas étonnant. Bon. Un mystérieux triangle. C'est Juan de Bermudez qui découvrit en 1515 l'archipel des Bermudes constitué de 300 îles minuscules. Les marins de la reine Elisabeth les évitaient déjà délibérément car ils les disaient hantés par les démons. L'histoire moderne du triangle des Bermudes commence avec la disparition du Pickering, un bateau américain, vers 1800. Alors je me demande même si on n'en parle pas de revenir en temps sur danger de Bernard Midault, mais il me semble, hein, toutes ces histoires-là, disparition. C'est en 1945, avec la disparition de 5 bombardiers américains, que cette région de l'Atlantique Nord va par la suite acquérir une réputation internationale. Et les disparitions continuent à l'ère moderne. Entre 1988 et 2003, par exemple, écoutez bien, 75 avions et des centaines de yachts. C'est les gros bateaux, les paquebots, je crois que c'est comme ça se dit. Les paquebots énormes, les milliardaires, enfin bref, bon. Et des centaines de... Ouais, ont disparu dans la région. Dans la seule année de 1978 à 1979. 18 appareils aériens ont disparu. Et les statistiques continuent de montrer que les accidents d'avions et de navires sont nettement moins nombreux autour du périmètre du triangle qu'à l'intérieur. L'ufologue et enquêteur Jean Sider, excellent Jean Sider aussi, résume avec brio les différentes anomalies
anomalies, pardon, différentes rencontrées par les pilotes et marins dans la zone du triangle. Il y a aussi, je crois que Jean-Claude Bourret qui a fait un livre sur ça aussi. Je crois que c'est Jean-Claude Bourret. Ouais, il me semble. Qui a fait un livre sur les triangles des Bermudes. J'ai toujours pas acheté celui-là, peut-être que j'achèterai. Bon. Mais justement, il y a un lien avec les triangles des Bermudes. Je vais vous dire court dans un livre, je vais vous montrer juste après. Et je ne serais pas étonné par rapport à des arches. Comme ce qui se passe en Ukraine, en Russie. Elle concerne essentiellement des appareils aériens et des navires qui ont disparu, souvent par temps calme, sans avoir signalé quoi que ce soit par radio ou par d'autres systèmes d'alerte à déclenchement automatique. Et dans ces cas, aucune trace n'a été découverte, débris, équipements divers, canaux de sauvetage et jamais de corps flottant ou rejetés sur les plages. Les disparitions sont parfois émaillées d'étrangeté. Certaines se sont produites par beau temps, sans message radio. Ah oui, en plus. Capté, radio capté pour signaler un ennui quelconque, alors qu'un ou plusieurs navires et autres appareils aériens qui circulaient au même moment dans le même secteur n'ont pas enregistré le moindre problème. Bah oui, plusieurs avions ont disparu d'un seul coup des écrans des radars, des contrôleurs aériens, d'autres se sont évanouis alors qu'ils étaient en vue de la terre ferme et qu'ils s'apprêtaient à atterrir. Pendant que quelques-uns se perdaient à jamais au-dessus d'eau de très faible profondeur sans que la moindre trace ait été découverte. Je vous montrerai après le lien. On connaît aussi des cas d'appareils qui n'ont plus donné signe de vie, en dépit du fait qu'ils se sont trouvés totalement en dehors de leur trajet ainsi prévu et malgré leur pilote très expérimenté. De plus, il y en a qui ont cessé d'exister au milieu d'un contact radio avec le contrôle aérien. Il y a aussi les disparitions sur de petits parcours ne prenant que quelques minutes, par exemple entre deux îles relativement proches. D'étranges lueurs dans le ciel. On notera qu'un ovni a parfois été signalé lors d'une disparition dans le triangle Jean Sidor. Jean Sidor, ses livres sont excellents. Le mimétisme et polymorphisme des ovnis, ces deux tomes à posséder, sont sortis en 2012. Je vous le conseille, de Jean Sidor. Sider. Peut-être que j'en adresse sur ce livre-là des disparitions de trucs de dingue, des ovnis polymorphes, les scamouflants en nuages, tout ce que tu veux, des trucs de dingue. Franchement, il a fait du très gros boulot. Bon. Jean Sidor cite le cas de José Torres. Le 28 juin 1980, ce dernier piloté à 35 miles de la côte de Porto Rico en escourpe avec pour passager José Pagan. Il signale au contrôle aérien qu'un étrange objet vient droit sur son appareil et qu'il doit changer sa trajectoire. Mais l'intrus continue à le harceler. Les systèmes de guidage et de transmission de l'avion commencent à lâcher un par un et bientôt le pilote est complètement perdu. Le contrôle perçoit encore sa voix Mayday, Mayday, SOS. Hein. Puis l'écho de l'avion disparaît brusquement à la vue des contrôleurs. Quelques instants plus tard, un écho appareil inconnu apparaît sur les écrans et file à grande vitesse. Les recherches lancées furent infructueuses pour localiser des traces de l'Erkourpe et de ses deux occupants. L'ufologue note en outre qu'il est assez fréquent que des lumières inexpliquées soient observées par des équipages et des passagers de bateaux. Alors déjà, il y a des lumières étranges, des ovnis, ça commence fort. Alors s'il n'y a pas un lien avec ça, bon. Et pourtant, j'avais une émission, je sais plus quelle chaîne. Pourtant, c'est Arte, des fois, ils font des bons trucs, mais là, bien déçu. Hein. Je sais plus ce qu'ils ont trouvé comme théorie, des tourbillons, des trucs qui tenaient vraiment pour la route, pour moi. Bon, peut-être qu'ils ont parlé d'OVNI, mais c'était vraiment très bref. Ça m'a, encore une fois, bon. Ils sont toujours en train de tourner autour du pot, mais ils attaquent jamais le point central, parce que ça gêne, hein, comprenez? Elles sont signalées aussi bien au-dessus qu'en dessous des eaux, ce qui les rend très anormales. Même le personnel envoyé à la recherche de navires et d'avions disparus en accidenté a fourni des rapports faisant état de ces lumières bizarres le 2 août 1975. Océanographe, le docteur Jim Thorne, a rapporté une observation d'OVNI alors qu'il faisait avec des d'autres scientifiques une promenade en bordure d'une plage de l'île principale de Bimini. Et là, ils aperçurent dans le ciel de nuit entièrement étoilé une source lumineuse mobile qui se rapprocha de leur groupe pour finalement le survoler. Cette source lumineuse exécuta ensuite une manœuvre à droite puis une autre sur la gauche, avant de rester quelques instants en sustentation. Elle était d'une couleur bleuâtre claire et paraissait vibrer. Alors, déjà, je vous montre. On continue de signaler dans le ciel de la zone du triangle des Bermudes de nombreuses lumières anormales se matérialisant ou se dématérialisant en association avec d'étranges masses vaporeuses ou nuageuses atmosphériques, c'est ce que je viens de dire, le polymorphisme, mimétisme, c'est ce qu'il dit Jean Sidor, tout à fait raison, des ovnis, point d'interrogation. Voilà.
Genre Cider, c'est un très bon. Bah, avant toute chose, je vais lire ça et après je vais faire le rapport, le lien qu'il peut avoir, et il peut avoir justement un gros lien avec ça. Comme quoi, en achetant plusieurs livres, j'arrive toujours à trouver un truc. Et là, c'est fort possible. C'est quand même assez rigolo. Quoi. Elle était d'une couleur bleuâtre clair et paraissait vibrer à un moment donné. Elle s'est mise à osciller et à y mettre une sorte de bourdonnement régulier. Elle fila ensuite à très grande vitesse, l'observation ayant tout duré un peu plus de 3 minutes. Des rapports affirment que l'on continue régulièrement à signaler dans le ciel de la zone du triangle des Bermudes de nombreuses lumières anormales se matérialisant ou se dématérialisant en association avec d'étranges masses vaporeuses ou nuages atmosphériques. Ivan Sanderson a quant à lui délimité au moins 12 régions du globe où de semblables phénomènes se produiraient régulièrement. Parmi celles-ci, il y a une région côtière du Japon surnommée la mer du diable. Diverses spéculations ont été faites pour rendre compte de l'origine de ces disparitions, outre la référence aux ovnis et celle d'une civilisation évoluée vivant sous les eaux. Il y a l'hypothèse d'éventuels trous noirs provoquant des ralentissements ou des accélérations dans le temps. Richard Wiener s'est aussi demandé si un phénomène magnétique d'origine mystérieuse occasionnant des aberrations électromagnétiques sur les instruments de navigation n'était pas l'origine de ces disparitions inexpliquées. Alors j'aurais pu mettre derrière des livres, c'est vrai, j'ai pas pensé, Santa Catalina, je ne sais plus, enfin non, tout ce qui se passe autour des eaux. Pourquoi je montre ce livre-là? Parce qu'il y a un lien avec ce livre-là, justement. Voilà, Fédération Galactique. Je reviendrai sur ce livre-là, j'ai encore deux, trois peut-être vidéos à balancer. Programme spatial secret, alors secrétaire, tome 6 de Michael E. Salin. Pourquoi je fais voir ce livre-là? Parce que dans ce livre-là, il parle justement du triangle des Bermudes. Il n'y a qu'à côté du triangle des Bermudes, mais juste à côté, vers la côte, je ne sais plus où, enfin peut-être pas très loin, ou peut-être vers la mer, je ne sais plus, hein, c'est dedans, mais où, je ne sais plus, hein, c'est tellement du hasard. Il parle d'une arche spatiale, c'est pour ça que le triangle des Bermudes est complètement touché. Il y a une arche spatiale dessous la mer ou pas loin à côté. C'est pour ça qu'il y a des arches spatiales un peu partout dans le monde, et même par rapport à ce qui se passe avec la guerre en ce moment. Hein, c'est pas un hasard, hein, n'allez pas me dire que bon. Et tout ça, c'est très très intéressant, c'est pour ça que vous avez compris pourquoi maintenant ils font des bon, la technologie, etc. Fédération Galactique, ça va, il y en a peut-être qui vont, je sais pas si ils ont encore compris, bon c'est pas grave. Fédération Galactique, Michael E. Salin, rôle et présence sur Terre, et c'est très très intéressant, il parle du triangle des Bermudes, et ce triangle des Bermudes est juste à côté d'une arche spatiale, donc c'est pas un hasard, je pense, hein, voilà. Là, l'explication, elle est beaucoup plus claire et nette pour moi. C'est quand même assez dingue. Bon, différentes hypothèses naturelles. Est-ce qu'il ne sera pas marqué là-dedans, évidemment. Hein. Ouragan, tempête et trombe marine expliquent sans doute une partie de ces curieuses disparitions. On peut ajouter l'influence du Gulf Stream, assez forte dans ces régions pour emporter un navire loin de sa route initiale ou pour disperser une épave en peu de temps. Eh ben, c'est pas du tout ça. Hein. Il convient également d'évoquer deux thèses qui s'intéressent à des phénomènes, même si ça peut y toucher, d'accord, des fois, mais pas à ce point-là. Celle des tourbillons et celle de l'hydrate de méthane, c'est ce que j'avais entendu sur Arte. Je viens de vous dire quelque chose avec une arche spatiale. Bon, je pense qu'elle peut aller plus loin. L'universitaire australien Richard Silverster a avancé l'hypothèse selon laquelle les disparitions sont dues à des tourbillons. Dans son ouvrage, Le triangle des Bermudes n'est plus un mystère. Il soutient que l'origine première de ces événements se trouve à plusieurs centaines de kilomètres à l'est du triangle, dans la mer des Sargasses. Là se forme un immense tourbillon sur l'effet des courants maritimes se déplaçant lentement. Il s'en échappe des tourbillons similaires, mais plus petits, qui migrent jusqu'au triangle des Bermudes. D'après Richard Sylvester, ces tourbillons seraient assez puissants pour aspirer des navires vers le fond de l'océan sans laisser derrière eux la moindre trace. L'autre thèse fait intervenir l'hydrate de méthane, une forme de méthane comprimé par une pression très forte dans des conditions de froid extrême. Dans les conditions adéquates, l'hydrate de méthane peut être produit naturellement en premier lieu dans les couches sédimentaires des grandes profondeurs. Or, les grands fonds marins froids de l'océan Atlantique, particulièrement aux environs du triangle des Bermudes, fournissent les conditions requises à une telle production. Il n'y a pas pareil des avions. Hein. Il n'y a pareil que des bateaux, mais il n'y a pas pareil des avions. Bon.
au début des années 1970, parce que là, les océanographes travaillant dans la zone des Mermunes avaient essayé de trouver une explication aux échos sonars qui semblaient indiquer qu'il existait un second fond marin à plusieurs centaines de mètres au-dessus du premier. Des forages révélèrent la présence en abondance d'hydrates de méthane sous pression, prêts à se libérer de son confinement aquatique. Voici ce qu'on lit sur un numéro de la série de fascicules Facteur X. Mais que se passerait-il si une brèche s'ouvrait tout à coup dans le fond de la mer, permettant la soudaine libération du gaz? Tout navire passant dans les parages connaîtrait alors de graves problèmes. Je veux dire, celui qui est beaucoup plus proche de la réalité, c'est Jean Sidor pour l'instant. Il a complètement raison. Elle a peut-être pas vu l'arche spatiale. Bon, après, toutes les théories, hein, bon. Mais pour moi, c'est lui le beaucoup plus proche. Puis dans le livre que je viens de montrer, hein, ça, pour moi, c'est pratiquement ça. Sinon, je vois pas ce qu'il y a peut-être d'autre. Hein, bon. Surtout les avions, c'est encore pire. Pas me dire que c'est la mer qui les inspire. Hein. Un grand jet de gaz jaillirait sous la coque et tout autour on verrait les eaux bouillir. Alors qu'il y a un requin géant, je pense. On verrait les eaux bouillonner sous l'effet de l'injection de millions de mètres cubes de gaz, comme si elles bouillaient violemment. Et ce serait là l'explication du premier symptôme des Bermudes. L'eau dans la densité chuterait dans l'espace de quelques secondes, serait incapable de soutenir la masse du navire. Avant que les passagers et l'équipage puissent réagir, le navire coulerait à pic au fond de l'océan où il serait rapidement recouvert par les sédiments décollés par le jaillissement du gaz. Justement, la prochaine fois, la prochaine histoire, je lirai l'expérience de Philadelphie en 1943. Ouais, si je ne me trompe pas. Parce que comme il y a des bateaux, ce sera la prochaine. Bon. Bah, il y aura d'autres vidéos entre deux aussi, évidemment, il n'y a pas que ça. Puis quelques minutes plus tard, les eaux auraient à nouveau l'aspect qu'elles avaient avant le déchaînement de ce monstre né des abysses. Il ne resterait aucune trace du malheureux navire. Les avions non plus ne seraient pas épargnés par l'hydrate de méthane. Le gaz libéré continuerait son ascension dans l'atmosphère à sa destination finale. Pour moi, ça ne tient pas du tout. À savoir, bien au-dessus des couloirs de navigation aérienne, à ce stade, il serait complètement invisible. Et comme par hasard, il y a que là qu'il y aurait beaucoup de choses. Enfin, pratiquement. Après, il y a beaucoup de vortex, tout ça, tout ce que tu veux, des arches spatiales. Bon. Bon, enfin, avec des Bermudes, quand même. Bon. En plus, c'est vraiment le triangle. On parle bien du triangle. Hein. Tout pilote qui volerait à travers ce nuage mortel pourrait, si la chance était de son côté, ne subir qu'une panne immédiate et total des moteurs, mais le méthane mélangé avec l'air, peut exploser quand il est en contact avec la chaleur des gaz d'échappement. L'explosion se produirait brutalement, ce qui explique que les pilotes disparus dans les Bermudes n'aient jamais eu le temps d'appeler au secours. Elle disperserait les débris en ce qui resterait de l'équipage au-dessus de la mer, ne laissant aucune trace qui permettrait aux enquêteurs de découvrir la vérité sur l'accident. Cause naturelle ou d'origine plus exotique, le triangle des Bermudes n'est pas prêt de livrer tous ses secrets. Et voilà, c'est fini. C'est pas très long, mais il y aura une double vidéo avec ce format à passer une demi-heure, 40 minutes. Voilà, bon, c'est 10 images comme ça, mais je montre quand même. Voilà, ça finit comme ça. Alors, la prochaine fois, je vous lirai l'expérience de Philadelphie en 1943. Ouais, et ça c'est très très intéressant. Jimmy Gueux en parlait d'ailleurs. C'est un sujet qui est fascinant pour ceux qui ne connaissent pas. Je sais plus comment il s'appelle, le capitaine, le colonel, qui est passé de 1943 dans un vortex. Et il est passé de 1943 à 1983. Il y a eu 40 ans d'écart. Comme dans le film Retour vers le futur, oui, c'est complètement ça. C'est un truc de dingue. Donc, encore une fois, les films de science-fiction basés sur la science-fiction, finalement, c'est plus vraiment de la science-fiction. Et puis ça. C'est bien avant le film, hein. C'est 1943, hein, ça va? Les films, c'est les années 80, hein, tout comme ça. Bon, 81, début 90, la trilogie, d'accord? Donc, des fois, on se demande si les réalisateurs ne se sont pas basés sur certaines choses. Parce qu'il ne faut pas oublier que là-dedans, l'expérience de Philadelphie, à un moment, il se retrouve en 1983, d'accord? Et Retour vers le futur, je crois que le premier, c'est 85, ou 86, un truc comme ça. Voilà. La prochaine fois, ça sera. Ça, on se demande s'il se passe pas sur ça. Parce que moi, je pense que des fois, oui. C'est pas un hasard. Hein, sinon, peut-être, ou peut-être pas, j'en sais rien. Mais c'est quand même assez curieux que ça se ressemble. Hein. Parce que là, on parle bien de remonter le temps en 1943, 1983. Après, il retourne en arrière. Bon. Grosse coïncidence, on va dire. D'accord. Possible. Bon. Je vais sûrement le lire la prochaine fois.
Alors c'est pas très long, le problème c'est que c'est pas très long. J'en ajouterai une autre vidéo. C'est ça qui est un peu dommage. Et après, ça sera les crânes de cristal aussi que je ferai. Voilà, les crop circles, ça je l'avais fait. Les crânes de cristal. Le mystère des crânes de cristal, ça aussi. Bah, Indiana Jones, le 4 qui est excellent, même s'il y en a qui n'ont pas aimé, avec des extraterrestres. Voilà. Et ça, la prochaine fois, je reviendrai pour finir l'histoire avec celui-là, je pense. Ce sera déjà pas mal. Il y a un livre qui est sorti sur le crâne de cristal. Je sais plus le titre du livre, peut-être qu'un jour je l'achèterai. Et ça s'appelle Indiana Jones, Dernière dire, Indiana Jones s'est dépassé. C'est pas de la fiction, c'est la réalité. Je sais plus le titre du livre, mais c'était rien que le titre déjà, ça veut tout dire. Il y avait forcément une connexion. Bah, avec des êtres, ouais, logiquement, ou alors peut-être intra-terre, je sais pas, jamais trop su ça. Assez curieux. Ah, puis, il y a eu des faux aussi, enfin, attention, il y a eu beaucoup de faux. Hein. Il y a eu des vrais, des faux, on ne faut pas oublier que c'est taillé dans une seule pièce. Mais il y a eu beaucoup de faux, et il y a eu beaucoup de vrais. Et en plus, il y en a 13, hein, mystérieux crâne de cristal. 13. Ouais. Très intéressant aussi ça, mais avant, je dirais, ah oui, il y a beaucoup plus de choses à dire sur le crâne de cristal, c'est beaucoup plus vrai. Et puis la vidéo sera plus grande, je pense. Allez, je coupe là. Il y a un rapport avec, comme je vous ai dit, le triangle des Bermudes, hein, qui est marqué ici. Hein. Il y a un rapport avec ce livre-là. À ça, vous pouvez être sûr et certain. Une arche spatiale, mais pas loin du triangle des Bermudes. C'est pas un hasard. Hein. Donc, puis je dis bien arche spatiale. Hein. Ah, ça doit être ça. Hein. Je dois pas me tromper, c'est dans ce livre-là. Hein. Je l'ai lu. Je trouvais ça fascinant. J'espère que je ne me trompe pas, mais logiquement, c'est dans ce livre-là. Si j'ai une bonne mémoire, c'est dans ce livre-là. Parce qu'il y a tellement d'informations, des fois, ça me. Bon, des fois, on est un peu perdu, mais je me retrouve. Mais ça, c'est sûr, c'est dans ce livre-là qu'on parle des trucs des Bermudes. Oh, sur quoi? Sur une, pas vous deux. Hein, c'est rien du tout. Hein, pour vous dire. Hein, l'ufologie, c'est tellement énorme. Allez, je vous coupe là. Merci. À bientôt. Juste après, Thierry Jamin. J'essaie de le contacter derrière Thierry Jamin. Je vais voir sa page Facebook. Parce que ses vidéos sur YouTube, Thierry Jamin, on peut pas. C'est toujours. Bah, c'est logique aussi, avec toutes les moqueries et puis tous les gens qui disent enfin, que c'est falsifié, que c'est des conneries. Bon, il y en a tellement qui l'ont fait chier. C'est un peu logique. Bon. On va pas poster de message. Mais j'essaie de l'avoir sur Facebook. Comme quoi, j'ai fait une vidéo de son livre, présentation. Voilà. Faut oublier que je fais tout gratuit, donc. Bon, voilà. Bon, allez, je coupe là, merci, à bientôt. Tout en carton, tout savoir sur tout en carton. Très intéressant ça. Franchement, ce magazine-là, c'est sur Diverti, tout collé. Store, Diverti, Store, I, avec un I normal, un pas Y, .com. Voilà, vous le trouverez logiquement. Science et spiritualité, vous allez le trouver. Voilà, c'est fascinant. Bon, les dames blanches, tout ça, c'est pas un truc qui me. Ouais, j'aime bien, mais vous savez que moi, le paranormal, bon, c'est pas mon sujet, voilà, j'adore. Bon, le Bigfoot Dogman, c'est très intéressant, mais moi, c'est surtout l'ufologie, vous le savez très bien. À 90% de mes vidéos, oui. Après, chacun ses trucs. Hein. Mais je ne critique pas, ça, c'est sûr. Voilà. Bon, allez, je coupe, merci, à bientôt. D'ici, bah, 3 jours, il y aura une autre vidéo. Les Crop Circle. Thierry Germain, moi, j'étais parti ailleurs. Et la prochaine fois, je reviendrai sur celui-là, d'accord? Avec l'expérience de fait des défis et pour terminer, le crâne de cristal, mais il y aura aussi d'autres vidéos entre deux, évidemment. Bon, allez, je coupe, à plus, merci.